ici et s'étend chaque jour davantage, et que la place se forme de plus en plus rare dans les limites de l'agglomération actuelle, et la capitale meurt de plus en plus sur les banlieues. Nous allons voir ensemble, en prenant un exemple, ce que pourrait être Paris dans 10, 15 ou 20 ans. Cet exemple, nous l'avons trouvé à Créteil, dans une cité ultramoderne, tellement moderne qu'elle n'est pas encore achevée. Les 20 000 habitants des 6 000 logements du Mont-Vélie sont locataires ou copropriétaires. Ils ont un confort, mais sont-ils heureux? Quelle est la vie de ces déracinés, de ces habitants d'une ville champignon? Avant, où habitiez-vous? Dans un quartier, dans un quartier ancien. Donc, vous pouvez faire la comparaison ici, tout est neuf. Où préférez-vous habiter? Moi, je préfère une vie moderne, c'est-à-dire une ville neuve. Votre mari travaille? Où travaille-t-il? Donc, il doit partir tous les matins de son travail. Est-ce que ça ne représente pas l'inconvénient d'habiter assez loin de son travail, donc presque en banlieue, disons? Si, parce que c'est le moyen, le matin, il faut tisser la route de bonheur, puis la rentrée pour le soir, mais le matin, il est arrivé. Ça, c'est pas bien, je voulais la nuit, je veux dire. C'est peut-être le principal inconvénient. Avec leur petite place, leur café, l'analyse, bon, votre mari travaille. Est-il loin de son travail? Il est à maison de France, quelques kilomètres. Donc, pas 4-5 kilomètres. Qu'est-ce que vous êtes pour vous? Au Mont-Vélie, tout a fonctionné, rien n'est laissé au hasard. Il y a un centre commercial unique, un centre social, un seul café et même un club de jeunes. Monsieur Mathieu, vous êtes responsable de des jeunes, si, est-ce que vous pouvez dire si un club de jeunes a plus d'utilité dans une cité nouvelle, une cité moderne, que dans une cité conventionnelle? Oui, effectivement, je pense que le club de jeunes est plus nécessaire ici, étant donné que les jeunes sont plus jeunes dans un racine et donc une structure qui les avait dans une cité ancienne, dans une ville traditionnelle. D'après ce que vous voyez autour de vous, est-ce que les jeunes ont tendance à s'ennuyer plus ici dans cette cité que dans toute la dégagée? Nous avons beaucoup de nouvelles, nous avons beaucoup de nouvelles pour une autre. Sur une nouvelle,